Taureau, Vierge et Capricorne, j'espère que vous avez passé un bon cap 2024. Je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse année pour vous ainsi que pour vos proches. On va regarder les énergies générales 2024 pour vos signes de terre. On va regarder votre énergie générale. Qu'est-ce qui entrave le défi actuel dans votre vie? Quels sont vos atouts pour faire face justement? Et puis, comment dire, de manière générale, ce qui se passe, mais pas énergétiquement dans votre vie concrètement. D'accord? Vous prenez bien conscience que je ne détiens pas de vérité, que c'est du général. Vous ne prenez pas si ça résonne pas, évidemment. Ça peut ne pas résonner au début du mois et tout à coup vous revenez dessus et tac, ah oui, ça résonne. Tiens, ah là je comprends. Ça peut aussi être le cas. Moi je vais utiliser les cartes, ça sera de manière complètement intuitive pour moi parce que je ne suis pas voyante, en tout cas pas tarologue ou cartomancienne. Ok? C'est parti, on y va. Ok, je sens vraiment un ancrage dans la réalité. Ok? Dans la réalité. Pam! Ah, c'est comme si la réalité, elle vous revient en pleine face, hein. Ça peut être très agréable comme beaucoup moins pour certains, certaines, mais c'est... Waouh, je me pose là. C'est une année, effectivement, où vous allez vous poser, vouloir vous poser. De toute façon, il y aura un avant, un après 2024. Clairement, enfin, comme pour tout le monde, mais chez vous, 2024, c'est une année finale. C'est une année de fin de cycle de vie de 7, 10, 20 ans. Ça va dépendre des personnes. C'est très puissant. Et... Vraiment, il y a une idée de... bon, déjà, attention, ceux qui ont... J'ai mal au dos, là, dans le bas du dos, donc si jamais, allez consulter, si c'est votre cas. Ne restez pas comme ça, parce que c'est assez douloureux, franchement. Maintenant, de manière générale, il y a presque un statu quo, en fait. Un statu quo de votre ancien vous. C'est terminé, vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus, même si vous allez vouloir peut-être avoir envie de rester dans une situation, que ce soit financièrement, professionnellement, matériellement parlant, socialement ou sentimental, avec une prédominance ici sentimentale hyper forte. Donc l'essentiel, ça sera sentimental que je canalise ici. Mais vous ne pouvez pas mettre de côté. En fait, il y a quelque chose qui est revenu en boomerang, qui revient dans le cœur, qui revient, qui vous rappelle au cœur, qui vous ramène à votre âme, hein. Donc c'est très important de vous écouter. Il y a une perception affinée de ce que vous ressentez, de ce que les autres aussi peuvent ressentir. Ceux qui sont un peu plus... Ouais, ceux qui étaient un peu plus passifs, là, depuis quelques années ou quelques mois. Mais vraiment passifs, ça veut dire, bon, ben, je suis pas fonceur ou fonceuse, je laisse un peu les choses se faire comme ça, je reste dans une situation qui ne me convient pas, etc. Vous allez vraiment avoir comme un déclic important sur le fait de prendre vraiment des actions consciente, décidée et soldée en fait, soldée le passé et c'est une énergie du cœur qui vous entraîne en fait à vous prendre en main et à développer davantage votre côté masculin, que vous soyez un homme ou une femme. Ceux qui étaient beaucoup plus dans plutôt le côté un peu lutte masculin, qui avançaient, qui étaient beaucoup plus dans l'action ces derniers mois ou ces dernières années, vous allez vraiment vous adoucir pour revenir à un état d'accueil. Et donc votre sensibilité face à l'extérieur et aux autres personnes sera décuplé et accru. Ok. Grosse transformation radicale dans la matière pour vous cette année 2024. Tout va changer. Ça peut aller du lieu de vie au travail, à la vie sentimentale, tout, tout, tout. Waouh, ça va être fort, hein? Voilà. Allez, la tendance énergétique pour vous janvier 2024. Bon, bah écoutez. On a l'amour avec le quartz rose et ici on a le grenat, l'engagement, chakra du cœur et chakra sacré et chakra du cœur. C'est très clair ici que ça parle énormément d'un engagement d'amour. Ça parle beaucoup d'amour, de sentimental essentiellement. Ça peut parler d'un engagement vis-à-vis d'un projet du cœur pour certains, certaines. Mais je vous ai dit, il y a un appel au cœur. C'est une année, en fait, où la vie va vous demander de vous engager, soit dans votre propre cœur, de toute manière, mais peut-être vis-à-vis d'une situation saine pour sortir radicalement, définitivement des schémas de soumission, de sacrifice ou alors d'enfermement parce que vous avez déjà libéré ces schémas de soumission, mais que vous êtes un peu
devenu très trop peut-être solitaire à un moment donné, que vous avez besoin de pardon ah, pardon que vous avez besoin de maintenant d'ouvrir cet espace cœur. Il y a une guérison très très profonde et peut-être que vous vous engagez avec des personnes, justement ceux qui étaient un peu passifs ou passives là, avec des personnes qui ne savaient pas vous laisser cette place, ne vous donnez pas votre chance ou à demi-teinte et vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite. Et là, ça va changer parce qu'en fait, c'est comme si vous ne pouvez plus fermer les yeux. La vie veut vous amener ailleurs, autre part. D'accord? Et pour les autres qui avaient le cœur un peu fermé, pas le cœur fermé, mais qui se préservaient de trop, qui mettaient de côté, qui ont dû mettre de côté, en tout cas leurs émotions, leurs sentiments, par souci de préservation, de vulnérabilité, parce que justement vous avez déjà déconstruit ces schémas-là et vous ne savez plus comment vous engager, il pourrait y avoir des sacrées opportunités au niveau sentimental pour vous aider à vous débloquer. Hein. En tout cas, janvier, vous allez pas, de manière générale, vraiment, faire des choses qui ne vous plaisent pas. C'est clair et net. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne résonne pas avec vous, si ce n'est pas un choix du cœur, ça ne va pas vous intéresser, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas pouvoir. Parce que vous êtes amené à commencer à créer du nouveau dans votre vie. C'est très bien. Ok, ici, l'énergie générale dans votre vie, les aspects généraux 2024, janvier, signe de terre. En fait, c'est ça que je canalise. Ouais, c'est très particulier parce que, en fait, vous quittez une solitude. Que vous soyez en couple ou entouré de plein de personnes, plein d'amis, ou que vous soyez complètement dans la solitude, célibataire ou même très casanier, enfin très en dehors de la société, l'un comme l'autre, en fait, vous vous êtes senti très seul. En fait, vous vous êtes arrangé. Ces deux types de personnalités-là se sont arrangés pour rester au plus seul, pour ne pas réellement s'engager avec le cœur, hein, parce que ça fait peur. C'est vraiment ce qu'on me donne, c'est ce que je canalise. Et donc, en fait, même si vous étiez en couple peut-être avec une personne, vous n'étiez pas vraiment investi, ou la personne, surtout en face, n'était peut-être pas aussi investie. Il y a une idée, en fait, ben, de ne pas prendre tellement de risques, mais qu'il y a une révélation de prise de conscience importante qui est en train d'arriver. Pour les autres personnes, c'est oui, je ne me mêle pas trop à la populace, ou vous restez célibataire. Parce que vous avez peur, en fait, vous savez peut-être plus, vous avez peur de vous engager. Mais dans tous les cas, que vous soyez extrêmement bien entouré ou que vous soyez pas du tout ou peu entouré, vous travaillez la même chose. C'est de toute façon, au fond de vous, vous n'êtes pas réellement dans le partage du cœur ou vous n'arrivez pas à recevoir le partage du cœur ou à le donner. Parce que il y a quelque chose d'une blessure, une mémoire familiale, une mémoire de l'enfance qui est en train de se mettre en lumière et ça touche effectivement essentiellement à votre vie relationnelle et surtout sentimentale. Ici, j'ai mystère et matière noire et j'ai solitude et désert. Voilà. Donc, vous êtes en train de transcender tout ça. C'est comme si vous êtes en train, il y a plein de mystères qui sont en train de se révéler. Il y a plein de choses qui sont en train de se débloquer. Et en fait, vous venez prendre, vous venez, comment dire? Vous ressentez les informations, vous pouvez elles tombent à vous et vous les saisissez. En fait, vous ne pouvez que constater ce qui se passe. Et il y a une transcendance ici au niveau de l'espace du cœur. C'est très puissant. Ça va relâcher les épaules, les tensions nerveuses. Vous serez moins malade, moins facilement malade, moins mal en point, peut-être physiquement, émotionnellement aussi. Ça va très vite. Les prises de conscience sont rapides. En fait, vous faites un bond phénoménal sur ce mois de janvier à l'intérieur et ensuite ça va se prodiguer à l'extérieur. Enfin, c'est comme si tout devient très, très clair. Ouais, écoutez, voilà. Vous êtes en train de quitter une zone glaciale pour retrouver votre liberté, votre paix intérieure, votre paix extérieure. Vous étiez comme en somnolence, même si vous étiez dans l'action, ceux qui sont passifs comme ceux qui étaient dans l'action, vous étiez en somnolence du cœur. Ça veut dire que tout ce qui était profondément dans l'amour véritable vous faisait peur et vous n'y alliez pas, en fait. Vous préfériez les relations soit éphémères ou les relations où soit vous donniez plus que l'autre ou l'autre vous donnait plus que vous ou alors le célibat. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas du tout, en fait, votre cœur était frais, froid, dur. Et ici, en fait, il y a un feu qui revient, mais ça, c'est très énergétique. Hein.
Ouais, c'est très énergétique, voilà. La connexion, le binôme, ça peut être aussi des liens d'âme qui pulsent en fait sur le plan de l'âme. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être le lien à la terre, à la nature, au vivant qui vient vous pulser aussi. Mais il y a quelque chose qui vous fait comme vous allez vous sentir. En fait, vous allez à un moment donné ressentir un trop-plein d'amour pour la vie ou pour une personne. C'est ça, sur ce mois de janvier. Et vous allez vous rendre compte de toute la richesse de l'amour, ou d'un amour, ou d'une situation, d'un projet du cœur. C'est très très clair. Waouh, c'est fort, hein? Mais vous devez déjà sentir, vous sentez déjà qu'il y a de la mouvance, il y a un truc qui bouge à l'intérieur, vous ne serez plus du tout la même personne. Hein. C'est hallucinant, mais c'est extrêmement clair. Hein. Ok, les questionnements pour vous en 2024, signe de terre. Qui es-tu? Je vous dis, une mouvance, un changement. Entre le côté masculin et féminin. Ici, s'il y a des personnes qui étaient essentiellement de base, plutôt masculines, plutôt très terre à terre, plutôt très ancrées, plutôt très réalistes, posées, on avance, et puis peut-être même plus cartésien par exemple, pas forcément, et puis que vous avez eu peut-être une première phase d'éveil où vous êtes arrivé à connecter au côté féminin, mais de débordement émotionnel. Vous êtes revenu à un état un peu presque. Un peu passif comme ça vis-à-vis de vos propres émotions parce que vous ne les avez pas comprises. Ben vous allez vraiment avoir des révélations sur votre propre cœur ou sur une situation, mais ça va être très fort. Pour les personnes justement qui étaient de base plutôt féminines, plutôt très réceptives, plutôt passives pendant longtemps dans leur vie et qui ont fait un travail de développement du masculin, donc de prise d'action, de libération, de prise en main en fait des situations pendant plusieurs années, et ben là en fait c'était tellement exacerbé que vous n'étiez plus dans votre tendresse ou dans la tendresse de l'autre. Et ça, c'est en train de se transformer. Cette année 2024, vous allez connecter, signe de terre, à une énergie beaucoup plus équilibrée entre le féminin et le masculin en vous et une stabilité, effectivement, avec le 4. Par contre, il y a une quête de réponse, il y a une quête de sens, il y a une transformation que vous ressentez. Vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous ressentez tout ce que vous êtes à l'intérieur, mais vous n'avez peut-être pas arrivé tout de suite à l'exprimer à l'extérieur. Il y a une modification qui est en train de se faire et il y a une forme de je vois, je comprends comment je mets en place maintenant. J'ai saisi l'information, comment je mets en place cette information, peu importe le domaine de vie ou les situations concernées. Ok, le défi. Je crois que j'ai. Mais c'est toi qui me fais du pied, Baguette. Hein? J'ai ma chatte qui est dessous là, sur la chaise en face de moi. Et en fait, j'ai une petite patte qui fait ting, ting, comme ça. Ça me détruit, ça me chatouille, tu vois. Puis, enfin, vous voyez? Et puis. En fait, ben, c'est Bagheera. Elle me regarde là comme ça, genre, bah oui, c'est moi. C'est bizarre. C'est ménagerie chez moi par moment, je vous dis pas. Ok. Bagheera me fait des petits coups de pied. Elle me fait du pied sous la table, nom de bleu. Allez, les blocages et défis, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Voilà, la malveillance, vous avez peur, les amis, vous avez peur de vous engager dans un projet du cœur ou avec une personne que vous aimez réellement ou dans une situation qui pourrait vous apporter vraiment stabilité sur du long terme, bonheur sur du long terme, peu importe le domaine, mais essentiellement sentimental et relationnel, parce que vous avez souvent été vers des personnes qui n'étaient pas forcément très bienveillantes envers vous. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de solitude. Parce que même entouré, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez l'impression de ne pas être vous-même. Les personnes avec qui vous allez vous sentir bien sont les personnes avec qui vous pouvez être vous-même. D'accord? Il y a une libération ici des malveillances. Attention, peut-être les messes basses autour de vous, les gens qui vous critiquent un peu ce mois-ci, ça peut arriver. Hein? Voilà, je ne mérite pas d'être heureux. Là, il y a vraiment un truc avec la soumission, l'auto-saboteur, avec le déni peut-être de l'amour aussi, hein, c'est possible. Voilà, c'est très clair. Un lien avec un autre ou les autres. Il y a quelque chose qui est venu réveiller ça, une relation, une situation qui est venue réveiller à un moment donné, ça peut être du passé, ça peut être du présent, qui est venu réveiller ce sentiment-là de
mais qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Pourquoi je suis comme ça, presque en arrêt au niveau sentimental, ou qu'il n'y a rien qui bouge, ou au niveau relationnel, que en fait je ressens ce vide, et où je me mets dans le vide parce que je n'ai pas envie d'échanger avec les autres. Tout ça est en modification, mais il y a un lien avec une situation qui vous a... Il y a peut-être une situation sentimentale qui s'est aussi terminée. À un moment donné, vous n'avez pas pu parler peut-être, mais ici il y a eu trop, soit chez l'un, soit chez l'autre, si c'est le cas, trop de passivité en fait, parce que trop de questionnements, trop de mentalisation, et finalement du déni. Voilà, c'est ça qui est en travail. Et de manière générale, voilà, une mémoire familiale, le déni ici, mémoire karmique, on va aller regarder ça, hein. Et il y a un sentiment de « bah non, moi ça m'atteint pas en fait, non, moi j'ai pas besoin d'amour, non, moi j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, ou non, c'est moi qui vais diriger, ou non, je veux rester avec quelqu'un qui me maltraite ». Vous voyez, c'est un peu ces énergies-là inconscientes, hein. Bon, si personne ne veut rester consciemment avec quelqu'un qui le maltraite, hein, évidemment, mais vous voyez, c'est ça qui se passe, hein. On va regarder la ressource. La foi. Ayez foi. En fait, c'est même pas ça, c'est plus profond là. Là, c'est vraiment aller vers des personnes, des situations qui sont ouvertes, qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas oppressantes, qui ne sont pas conditionnées, qui sont claires, qui sont lumineuses, y compris en vous aussi, avec vos pensées vis-à-vis de votre propre vie. Il y a quelque chose qui vous guide là très fortement, hein, le partage. Bon, bah, c'est très clair. Allez vers l'équité, vers l'équilibre. Ok. Quelle mémoire karmique est à mettre en lumière karmique, en mémoire tout court, hein, sur ce mois de janvier 2024, les signes de terre, hein. Je dis, sortez des situations où vous restez enfermé dans des vieux schémas de pensée. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, ça peut être dans une relation, ça peut être plein de choses, mais où vous n'avez pas de possibilité d'expansion, d'avenir, de création, vous êtes amené vraiment à sortir. Vous avez la clé. C'est ça. Ce mois de janvier, vous allez trouver la clé en vous. Est-ce que vous allez l'utiliser ou pas, ça c'est votre libre arbitre. Mais peut-être qu'il faut faire un choix de quitter des zones d'enfermement ici. Hein? C'est très clair. Hein? Et je pense que ça touche énormément à votre vie sentimentale. Ouais. Mais il y a des peurs ici. Il y a vraiment des peurs, peur de quitter ce que vous avez connu. Voilà, peur de quitter une situation sacrificielle. Ça peut revenir en fait. J'ai peur, ou peur de vous remettre dans une relation, puis qu'en fait vous dites « ah non, ça va être du sacrifice, je vais m'oublier, etc. » Mais non, si c'est le cas, que vous avez déjà pensé à vous, que ça fait un moment que vous êtes en conscience avec vous-même, vous n'allez pas vous sacrifier, parce que vous allez dire non si ça se passe mal. C'est plus comme avant. Puis pour d'autres personnes, bah, il va falloir être fidèle à votre cœur, là. C'est très clair, hein. Ouais, amérindien. Revenez à du naturel, ici, hein. Peut-être qu'ici, il y a certains qui ont la peur de l'abandon, aussi, d'être abandonné, hein. Ouais, ça peut toucher, ici, aux finances, aussi, pour certaines autres personnes. Mais il y a clairement un problème d'action vis-à-vis, soit des finances d'un projet du cœur, soit d'une relation sentimentale, et que vous restez dans des situations qui ne sont pas saines. Des relations surtout, où ce n'est pas réellement de l'amour, parce que l'amour réel vous fait peur. Donc soit vous mettez en retrait encore, soit vous avez des petites histoires éphémères par-ci par-là, ou soit vous restez avec des personnes, en fait, vous ne les aimez pas réellement. Mais il faut en prendre conscience. Donc ça, c'est un travail, d'accord? Si ça ne résonne pas, les amis, eh ben, ne prenez pas, hein. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Attendez, parce que là, je vais m'en mettre partout. Okay. On va regarder quel est votre atout, votre atout principal, ce qui va émaner de plus lumineux en vous durant ce mois de janvier 2024. L'intuition est la voie. Si vous voulez une stabilité, si vous voulez un 4, si vous voulez des fondations, une vraie construction, il va falloir être honnête envers vous-même, que ce soit au niveau financier, professionnel, familial, amical, sentimental, il va falloir aller creuser dans le ressenti, d'accord? Il va falloir trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, hein. Parce que peut-être que vous donnez à des personnes qui vous prennent, mais qui ne vous donnent pas, et vous ne savez peut-être pas donner à des personnes qui savent recevoir et qui savent également vous donner, ou peut-être que c'est l'inverse, hein. Et donc il va falloir ici passer par une zone un petit peu tumultueuse, mais en même temps il y a plein de signes, il y a plein de choses qui vous guident pour aller vraiment dans votre côté sensitif, émotionnel, ressenti.
hein, ici. Donc, l'intuition et la voix, c'est votre ressource d'être à l'écoute de vos ressentis. D'accord? Et peut-être une énergie de pardon, d'accueil pour des hommes. Peut-être demander pardon, peut-être accueillir quelque chose. Parce que vous êtes guidé ici vers une situation. Vers quoi? S'il y a des hommes ici. Pas les femmes, hein, vraiment les hommes. Ce qu'on veut leur donner. On vous demande de reprendre confiance en vous et de trouver la clé pour aller dans votre cœur. Hein. C'est ça. Hein. C'est pas des masculins, je parle vraiment des hommes hein, ici. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes. Il faut accepter aussi de vous sentir parfois vulnérable et prendre une action vis-à-vis d'une situation. C'est très important. Du coup, comme c'est sorti pour les hommes, je vais demander pour les femmes. Voilà, comme ça, c'est équitable. Pour les femmes. S'autoriser. Autorisez-vous à ressentir de l'amour. Autorisez-vous à exister comme vous êtes. Autorisez-vous à ne pas, comment dire, vous effacer aussi, c'est ce que j'entends. Et autorisez-vous, voilà, aussi, et ou peut-être accepter le pardon de quelqu'un aussi, hein, ici. Vous avez la même énergie de confiance. Forcément, vous êtes aussi signe de terre si vous regardez cette vidéo. Donc ici, on vous demande d'aller ici vers de la joie, vers de l'amusement, vers de l'amour et de d'égayer vos relations, d'égayer vos journées et de vous autoriser à vous casser la figure comme à exceller, ok? Ouais, ok, bon, c'est bien ça. On va regarder ouais, la situation donc à mettre, enfin, la situation de votre vie en 2024, janvier 2024. Signe de terre, concrètement, de quoi il s'agit. Je vous dis les cartes, moi je canalise, hein, je ne connais pas le tarot. Là j'ai un 3 des cornes. L'étoile. La mort. Le 9 des bâtons. La tempérance. La roue de la fortune. Il y a une ouverture du troisième œil et du cœur. C'est tellement fort, ça va faire... Votre âme, elle va être tellement... Je sais pas, il y a un truc avec l'énergie du cœur qui va être mais d'une force et d'une évidence que vous ne pourrez lutter. C'est pas possible. J'ai l'as des bâtons. La punaise, c'est incroyable. C'est immense. Ce que je ressens énergétiquement est très fort, très puissant. Et le 8 des bâtons. Derrière, j'ai le 5 des épées. Ici, vous allez un petit peu modérer le côté, bon, ben, je reste un peu seule, je reste un peu avec moi-même, et puis je profite aussi de bons moments avec les autres. Vous allez, en fait, trouver vraiment ce mois de janvier l'équilibre entre les moments seuls, les moments de développement personnel, les moments de joie, les moments pour lâcher prise, pour ne rien faire, les moments pour travailler, les moments pour être avec les autres. Vous allez vraiment, en fait, vous sentir de plus en plus joyeux de vous écouter et de mettre fin un cycle difficile parce que ça va être ressenti de l'intérieur. C'est comme si vous savez qu'il n'y a pas encore tout le dénouement, mais que vous êtes clairement en grande avancée et que ça ne sera plus pareil qu'avant parce qu'il y a quelque chose qui se solde définitivement. Et vous le sentez. Et quelque part, presque, vous l'espérez que ça s'accélère, même si vous avez un peu peur de ce qu'il y a derrière ou de ce qu'il n'y a pas derrière. De manière générale, vous allez vouloir un peu à la fois avoir très envie que tout se développe d'un coup, puis en même temps mettre un peu, essayer de freiner un nouveau départ parce que vous savez qu'il y aura, vous ressentez, vous présentez dans votre âme, dans votre conscience, qu'il va y avoir un vrai engagement sentimental ou professionnel dans une direction en tout cas, ou dans un nouveau logement, dans un déplacement important, mais ce n'est pas éphémère, c'est sur du long terme. Et vous le sentez, vous le sentez clairement. Et en même temps, ça vous donne envie, c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, mais en même temps, bah, ça vous demande pour commencer ça, de mettre fin à un ancien cycle, et pour ça, il va falloir écouter sa guidance intérieure. Pour pouvoir, en fait, stopper les cogitations mentales. Voilà, c'est tellement clair. Du coup, ici, vous allez prendre une action modérée. Modérée, c'est vraiment ce que j'entends. Soyez modérés dans vos actions. Dans un projet, ça va ouvrir aussi un projet de vie, un projet sentimental ou un projet professionnel. Il y aura un renouveau qui va se profiler. Vous avez tellement souhaité ce qui est en train de se passer qu'il faut aller jusqu'au bout au niveau sentimental. Il y a une connexion qui revient sur le devant de la scène, où il y a une personne que vous allez rencontrer, ou une situation qui va venir vraiment vous... C'est comme si c'est une situation qui vous enivre en fait. Ça vous enivre, ça vous a enivré.
Et pour d'autres, c'est vraiment aussi le côté général, de manière générale, des choses qui vous enivrent, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Qu'est-ce qui se passe avec cette connexion d'âme? Oui, on n'a pas pris des décisions. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris de décision à temps, ou qui n'a pas tranché, qui ne s'est pas exprimé ici dans une relation d'âme. On vous dit qu'il va falloir s'exprimer. Si ça vous parle, c'est ça. Il faut s'exprimer. Voilà, pour créer un nouveau départ. Voilà, c'est très clair. Mais ça ne viendra pas sans expression. Et en fait, vous songez, vous pensez, vous pensez, vous pensez. Et puis, vous allez peut-être partir sur un coup de tête, dire quelque chose sur un coup de tête. Peut-être que ça sera votre force parce que vous allez vous dire, bon, j'arrête de penser parce que je suis pas bien là. Ça va pas. Il faut que j'avance. Voilà. Mais vous avez peur d'avoir des conflits peut-être autour de vous. Ou que ça crée un conflit. Et pour d'autres personnes, c'est au niveau sentimental, de manière générale, vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur parce que ça tourne énormément autour de ça durant ce mois de janvier pour vos signes de terre. Si ça ne résonne pas, allez voir peut-être aussi votre ascendant. D'accord? Je vais regarder s'il y a un conseil pour vous et on s'arrête. Acceptez la pression, la transformation. Acceptez de ressentir quelque chose de l'intérieur qui vous ouvre, qui vous pousse même. Vous pouvez peut-être même être en colère contre vous, contre une situation ou contre une personne. Et c'est comme si vous dites, mais en fait, purée, je sais pas ce que je fous là dans cette forêt où j'ai plus d'oxygène, où il y a tout qui crame, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Dans ma vie, ça peut être un travail, un lieu de vie, une situation familiale, sentimentale ou de célibat, peu importe. Vous dites, mais. Puis vous vous cachez de ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut aller vers une construction. Mais ici, vous pouvez rien construire, les amis. Il faut aller construire où il n'y a pas de feu, où ça ne brûle pas, où c'est pas de la fureur, où c'est pas des gens qui vont vous agresser comme ça. Faut pas construire quelqu'un qui vous agresse dès que vous lui parlez. Mais c'est pas possible, en fait. Faut de la tendresse. Vous demande maintenant de vous mettre en mouvement. Ok, avec l'air, c'est peut-être un mouvement déjà intérieur, calmer une fureur, calmer quelque chose pour aller vers un foyer. Foyer, ça peut être vous avec vous-même, mais dans une situation saine, bénéfique ou avec quelqu'un. Vous devez quitter l'hostilité pour aller vers la mer, la terre, vers l'abondance, vers une personne, une situation, un lieu de vie, quelque chose, un travail où vous allez vous sentir aimé, accueilli, vous allez pouvoir vous expanser. On ne va pas à chaque fois, vous n'allez pas devoir vous cacher à chaque fois de vos émotions, de vos sentiments, de voilà, un vrai foyer intérieur et extérieur. C'est ça. Voilà. Écoutez, il y a peut-être ici des liens d'âme qui sont très forts, qui sont dans le silence ici. Peut-être la solidité, il y a quelque chose qui casse ici, une prise de conscience sur le monde du vivant, sur le lien au vivant, sur le lien avec une personne, peut-être, hein. C'est tellement clair. Mais c'est tellement clair. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ça? J'entends Shape of You de Ichiran. Vous pouvez aller regarder. L'endurance. Mais arrêtez d'endurer arrêtez. Arrêtez. Vous pouvez pas endurer plus, en fait. Vous faites du mal à vous-même. C'est ça, hein, le truc. C'est ça qui est. Voilà. On vous demande d'aller vers l'égalité, de sortir de l'eau, là. Et d'aller vers quelque chose d'équitable, vers quelque chose de nourrissant, vers quelque chose d'équilibré, vers quelque chose entre le masculin et le féminin qui sera équilibré, des gens équilibrés, un amour équilibré, une vie équilibrée, des finances équilibrées. Hein? D'accord? C'est vous qui créez le changement. Hein? Mais vous allez avoir des réponses, hein, sur des situations, mais pour ça, ben, il va falloir accepter de ressentir des choses. Voilà, les amis, prenez que si ça résonne, c'est très puissant, ça ne fait qu'annoncer la couleur 2024. Paix et amour, si vous voulez, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.